Eh bien salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45, comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 9 de Shadow of the Colossus et donc le colosse numéro 12. Ça avance très très vite et lentement à la fois, mais on n'a pas chômé quand même, si je puis me permettre l'expression. Pourquoi? Tout simplement, bah parce que les gars, je sais pas si vous êtes au courant, mais on a terminé le DLC d'Horizon, ça c'est déjà méga cool. Et en plus ce week-end, vendredi soir, samedi soir et dimanche soir, on a la Big Cup 2 avec de très très grosses équipes et je vous cache pas que je suis un petit peu sous pression. Hein. Je vais pas vous mentir que là la pression commence à se ressentir de mon côté. J'espère que tout va bien se passer, il n'y a pas de raison, tout va bien se passer. Mais je frissonne entre l'impatience, la peur aussi, j'ai pas envie de décevoir que ce soit vous ou Ubisoft, mes partenaires, ceux qui me font confiance pour vous offrir un maximum de cadeaux ou autre. Donc voilà, on va essayer de tout donner, c'est la Big Cup 2 dès demain. Ça va être incroyable. Et en attendant, il m'a fait tellement peur l'aigle. En attendant, eh ben, on va se faire un petit colosse. Ça fait du bien, histoire de se défouler un petit peu. Donc on va lâcher tout de suite cette épée. Désolé, hein, faut que je me refasse aussi un petit peu aux touches. C'est pas bien compliqué les gars, hein, y a pas 4 milliards de touches. Mais quand même. Donc là les gars, c'est le 12e colosse, vous savez ce que ça veut dire. Encore une fois je vais me répéter, mais il n'y a que 16 colosses dans le jeu. Donc on est bien aux 2/3 du jeu. Ça va devenir soit plus compliqué. Alors le colosse, le dernier colosse qu'on a fait était horrible. Voilà, je vais pas vous mentir que c'était le pire des colosses, le plus petit d'ailleurs aussi au passage, parce que quand on montait sur son dos, il bougeait tout le temps, c'était impossible de lui planter une épée. J'ai dû attendre un putain de bug. Je m'y suis mal pris, je sais que je m'y suis mal pris hein, les gars, hein, mais j'ai dû attendre un putain de bug pour pouvoir réussir à faire quelque chose. Et je vous cache pas que c'était assez terrible. Donc direction, cette fois-ci un colosse dont j'ai strictement aucune idée, parce qu'on a fait quand même pas mal d'espèces différentes jusqu'ici. On a fait des colosses vraiment géants, on a fait des colosses vraiment petits, on a fait aussi pas mal d'animaux entre guillemets. On avait fait une sorte de singe avec sa barbe, qui était d'ailleurs très sympa celui-là. J'ai causé un petit peu avec lui, après on a partagé un kebab, c'était fort agréable. On a fait quoi d'autre? C'est par ici en plus, putain. Est-ce que pour une fois je serai dans la bonne direction du premier coup? Ça serait quand même assez incroyable. On va faire attention quand même. Putain, la fluidité de ce jeu m'étonnera toujours. C'est du 60, hein, mais ça m'étonnera toujours. Ok. Il est par ici, mais alors. C'est quand même assez étrange. Je peux pas aller plus vite. Parce que Agro ne veut pas aller plus vite. Mais. C'est pas par où c'est. Ok. Vous pensez que c'est par ici? Attendez. Je peux pas du tout comprendre. C'est par ici, vous pensez? Attendez, non, je pense pas. Hein. Oh là! Oh là, non. Oh là, Ketal. Non, c'est pas du tout par ici. Il est quelque part par là. Je pense pas que ça soit dans une forêt qu'on batte un colosse. Ça serait bien la première fois. Mais alors, par où ça peut être? Par ici, vous croyez? On va essayer d'appeler mon cheval. Ah, il y a moyen que ce soit par ici. Je pense que c'est par ici. Oui. Vas-y, viens, Agro. On est parti. Laisse-moi t'escalader. Ou alors ça peut être dedans. Non, non, non. Ok, c'est totalement par ici. Je suis quasi persuadé. Pas sûr, on sait jamais. On est toujours surpris par le jeu. Que ce soit par ici, c'est le seul chemin que je vois. Ça nous fait une petite balade en forêt. C'est très sympa, d'ailleurs. Ok, là, il n'y a rien. Je pense pas que ce soit dans la forêt. On est d'accord, hein. Ça doit être par ici. Ça doit être par ici parce qu'on regarde les effets de caméra. C'est prévu qu'on passe par là. Non mais totalement pas, putain. Ok, si, c'est bon je crois. Alors je suis pas sûr mais je crois que c'est bon les gars. Je crois que c'est bon. C'est bizarre. Je crois que c'est bon mais c'est terrible parce que j'ai l'impression de pas être sur la bonne voie. Vous voyez ce que je veux dire? Mais alors dans ces cas-là, le chemin est fort trompeur, si je puis me permettre l'expression. Mais c'est pas ici, on va continuer les gars, c'est pas grave. Hein. De toute façon, on va bien trouver. Hein. Oh, 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 oh.
Yes. On a augmenté sa vie. Oh, salaud. Non, 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 non. La caméra de mort. Ok, meurs pas, s'il te plaît. Yes. On a augmenté un tout petit peu son endurance. Ça, c'est plutôt cool. Mais c'est par ici ou pas? Moi, je pense que c'est par ici. Mais c'est très bizarre, en tout cas. Je pense, mais je ne suis sûr de rien. Ok. Quoi? Quelle est cette sombrerie? Oh, je suis bloqué! Oh, je suis bloqué! La vie de ma mère! Ah! Bon. C'est l'enfer. Les gars. Quoi? Ok. On se retrouve au même endroit? Parce qu'on va recommencer depuis le début et ça risque d'être fort terrible. A tout de suite. Allez, on est reparti. Nous y sommes cette fois-ci. Je ne vais pas lâcher, forcément. Que sinon, je vais clairement prendre ce que je mérite. Ouh là là, fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe. Bon, là, c'est clairement la phase sans aglo. Ça veut dire qu'on se rapproche d'un endroit où il y a un colosse. Est-ce que c'est le bon colosse? Je ne sais pas. On va essayer de taffer ça. Par contre, c'est fort problématique parce que je suis bloqué. Alors, quelle est cette sombre? Là, on a un petit souci. Mais c'est par où, là? C'est par ici ou pas? Non, mais là, je meurs, en fait. Je meurs totalement. Moi, je pense qu'il faut traverser. Ah, on a des lianes. Ok, on a une Francis la liane ici. Bougez pas. Vu qu'on a une liane, bah, faut sauter en fait. Allez, bah, les couilles. On verra ce qui se passe. Qu'à cela ne tienne, comme on dit. Ok, on peut totalement traverser, d'accord. D'accord, je pensais que le courant était assez fort pour m'envoyer tout en bas de la cascade, mais. Ah, si. J'ai rien dit. Peut-être un peu trop ouvert ma gueule. Ok. Alors là, je comprends pas. Comme ça, je pense. Non! Non! Je me raccroche à la vie! Oh putain, c'est terrible. Oh non, dites-moi pas que je dois tout refaire. Me dites pas ça, les gars, je mérite pas ça. Non, je mérite pas ça, les mecs. On est reparti. Désolé, Aglo. Il fait que de me voir apparaître. Ah non! Aglo! J'en ai marre. Oh, c'est terrible. C'est terrible, mais c'est drôle. J'ai bien aimé. Donc, je pense qu'il faut sauter direct de par là. Voilà. Ensuite, on va nager tout là-haut. On me bat les couilles totales. Mais attends, est-ce que d'ailleurs, c'est pas par ici qu'il faut aller? Tout simplement. Parce que j'ai bien l'impression que je suis en train de nager et pas contre courant. Je pense même que le colosse est là. Dis donc. Comme c'est drôle. Est-ce qu'il serait pas là, ce petit con? C'est très bizarre. Ok, je peux pas utiliser mon épée. C'est bizarre parce que, voilà, c'est ce que Fufu me parlait, donc Dark Funeral, que vous connaissez tous, hein, maintenant, je pense. C'est-à-dire que, des fois, apparemment, il y aura de grands endroits et des colosses étaient prévus dedans. Sauf que par manque de temps, ils ont pu faire que 16 colosses. Il devait y en avoir 20. Et donc, si il n'y a pas de colosse ici, je pense qu'un des 4 colosses annulés devait être tout simplement là. Parce que, vous pouvez le voir, c'est grand. Il y a comme des objets où on peut se mettre dessus. Mais il y a bien colosse, celui-là. Ce n'est pas vide. Donc, il était bien par ici. Il est beau. Oh, c'est un beau colosse. Il a une petite couronne, c'est très mignon. Qu'est-ce que c'est? C'est sa tête. Il a des cornes. On va devoir prendre le taureau par les cornes, je pense. Il a comme des cristaux au bout des cornes. Peut-être qu'il faut... Ouais. Ça tire à balles réelles ici! Ok. Déconne. Ok.
Allô? Ah! Ok, ça lâche totalement. Les gars, ça tire à balles réelles, c'est terrible. Ah! Ma vie est nulle! Ok. Alors, si vous voulez, je pense. Ok, y'a rien à faire à ce sujet là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre l'épée. On va voir son point faible. Son point faible est clairement. Waouh! Son point faible est clairement en bas. Très bien. Mais je ne peux pas aller dans l'eau. C'est très intéressant. Comment je peux faire? Attendez, bougez pas. J'essaye de l'analyser pour l'instant. Et dans analyser, y'a Lisé! Ouais, mais les gars, je m'en bats les couilles, j'y vais. Peut-être qu'il faut attaquer ce colosse. Ok, non, je ne pense pas. Comme disait Maître Gims, le plan a échoué. Il a des coups. Oh, je suis mort. Ça tire à balles réelles. Oh putain. Ça m'a sauvé d'aller dans l'eau. Ok. Est-ce que vous croyez que. En nageant sous l'eau, ça peut faire quelque chose. Ok. On va essayer, les gars. Hein. Je pense qu'il y a d'autres plateformes, c'est pas pour rien. Ok, il a l'air de se casser. Ok, ça c'est pas mal. J'aime bien ce colosse. Vous ne pourrez pas atteindre son point faible dans votre position actuelle. Ah! Petit combat! Ok, on va passer par ici. Waouh! Alors, j'ai une petite question. Est-ce que par hasard, faut pas tirer dans sa boule? Si je peux me permettre de l'appeler ainsi. Ça peut être pas mal, ça. L'idée n'est peut-être pas mauvaise. Je ne sais pas. Ok, il a l'air de se déplacer. Oh putain, salopard. Non. Ok, on va retourner là. Il a changé d'endroit. Putain. J'ai peut-être trouvé quelque chose, je sais pas. Là, il va tourner de l'autre côté. J'essaye de comprendre, hein, vous inquiétez pas. Oh la vache, putain, fais chier. Qu'est-ce que ça peut être? Mais on dirait qu'il danse la Macarena! À chercher un endroit plus élevé. Putain de merde! Ça tire à balles réelles! Ok. Chercher un endroit plus élevé. Très bien. On va donc aller là-haut. Bon, on y était presque. J'aurais peut-être dû juste aller à gauche plutôt qu'à droite. Ok. C'est terrible. Je suis donc persuadé que c'est là. C'est soit là, soit là-haut. J'ai vu qu'il recule. Il est chiant avec ça. Il est chiant mais il est stylé. Vous voyez ce que je veux dire? On dirait le... Comment il s'appelle le cheval dans Final Fantasy, les gars? Putain, la chimère! La chimère qui maîtrise... Vache! Mais ça tire vraiment à balle réelle. Bon, de toute évidence, c'est toujours pas là. J'ai pas l'impression qu'on puisse monter. Comment est-ce... Odin, voilà. Chercher un endroit plus élevé. Je tape le sujet, frérot, je sais. C'est chiant, mais faut nager, mon pote, hein. Ça se voit que c'est pas toi qui nage, hein, par ici, hein. Bon, voilà ce qu'on va faire. On va retourner sur la première plateforme. Parce que là, tout est évident, j'ai fait tout le tour du lac. Et on ne peut pas aller en hauteur. Et sur la première plateforme, il s'était levé, c'était très bizarre. Il avait posé sa patte.
Donc on va y retourner, puis on va voir, on va voir, on va voir. Forcément, la solution est sur la première plateforme, je pense. Sinon, pourquoi il se serait levé? Là, il peut pas. De toute évidence, je l'ai provoqué, je suis resté 5 minutes devant. Ok. Et vu que je peux pas monter en haut, je vois que ça, c'est pas possible. En plus, on y va, on va essayer les gars. Je vois pas. Putain, fallait que je le prenne ce coup, merde! Y'a là, cowboy! Je vais mettre ici au cas où. Voilà, là il s'approche, c'est bizarre. C'est bizarre. Je pense que j'étais pas mal. Oh oh. Voilà. Y'a là, cowboy. Moi aussi je peux te tirer des trucs dans la gueule, putain. Ouais, mais c'est bizarre. Waouh! Regardez! Quand je tire à droite, il va à droite. Non, c'est un hasard ou quoi? C'est un putain de hasard ou quoi? Aïe, 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 aïe. Oh yes! Oh yes! Ok. Ok, c'est bon. Ça, c'est bon, ça. Ok, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Son point faible avait l'air d'être tout en bas. Il y a des trucs ici, là. Aïe, qu'est-ce que c'est, ça? Waouh! Mais c'est ses dents! Ok, je crois. Oh, yes. Yes. Et ensuite, je fais quoi? Et ensuite, je fais quoi? Ok. Son point faible a l'air d'être sur le ventre. Qu'est-ce qu'il fait? Yes. Ok. Et ensuite, je fais quoi? Là, ça va tirer à balle réelle. Oh, il y a une grotte. Ok. Ça y est. Deux fois. Allez mon pote. Trois fois. C'est beau ça. Ok, ça c'est beau ça. On va se cacher très rapidement. D'accord. Ça veut dire que là son point faible est toujours en bas. Ok, son point faible est toujours dans le ventre. D'accord, bah j'ai trouvé. Donc, c'est pas mal, putain, mais c'est tellement intelligent. En gros, il faut l'emmener sur la petite plateforme. Faut faire en sorte qu'il se lève. Puis on monte sur sa tête. Je ne sais pas comment j'ai fait, je crois que c'est en tirant sur les cornes. On va retirer sur les cornes. J'ai l'impression qu'il est sensible des cornes. Bref, une fois sur sa tête, étant donné que ses dents sont au sommet du crâne, il n'y a pas de bol, hein. En cas de carie, par contre, c'est plutôt pratique. Tu tapes dans les dents et ça va le diriger. J'ai bien l'impression. Et en le dirigeant, tu vas sur une des plateformes. Et là, il va se lever. Et tu lui tapes. Putain, mais c'est tellement bien pensé. C'est des génies, les mecs. Là, il va se lever. Yes, on est déjà remonté dessus. Putain, c'est tellement bien fait. Attends, parce que là, je suis kéblo de ouf. Ok. Ok. Là c'est pas mal, donc là il gueule. Aïe! Fais pas le con. Donc là on va le diriger par ici. Et maintenant faut qu'on aille sur une plateforme. Allez. Allez. Voilà. C'est pas mal ça! Et en fait on le dirigera. Mais c'est du génie. C'est du génie, putain. Non, s'il te plaît! Ok. Ok, c'est bon.
Putain, arrête de faire le con. Ok. Et là, on est dessus. Maintenant, il va se lever. On va se cacher derrière. Là, normalement, il va se lever et c'est terminé. Putain, c'est du génie, les mecs. C'est du génie, ce colosse. Ok. Et là, on assène les deux autres coups, deux ou trois coups, je ne sais pas exactement. Ok, donc les deux autres coups, je suis pas bien là. Et on est reparti, il faut le faire trois fois, ça c'est assez terrible. Quoi ? Oh, il n'avait pas fait la première fois, c'est très bizarre. Donc là, je peux plus utiliser... Ah, par contre, je peux utiliser cette plateforme pour monter. D'accord, c'est une sorte de raccourci. Putain, les gars, incroyable. Incroyable. Donc là, on va utiliser cette plateforme pour monter. Comme d'habitude. Alors, je crois que les flèches, je suis pas sûr. Bon, en tirant, finalement, ça ne marche pas. Ah, ok, c'est bon, il va se lever. Ok, c'est bon, on est dessus. Impeccable. Allez, c'est le dernier, cette fois-ci. Allez, allez, allez. Waouh. Ok. Ok, donc là, aucun souci. Faut que j'arrive à le diriger, c'est terrible. Ok, je suis où là? Voilà. Attention. Voilà. Ok, attention encore. Je crois qu'il y en a à droite. Attends, il y a une plateforme à droite, j'ai peur. Allez! Tape dans la dent, Polos, pas à côté! T'as quel âge? Mais qui est con? Putain, bordel! Oh, il est terrible! Obligé de s'énerver! Je suis en haut, trou de balle! Ok, c'est bon, il m'a vu. Allez, c'est terminé. Putain, il était pas mal, hein. Il était vraiment pas mal, ce colosse. J'ai bien kiffé. C'est bon. Putain. Allez, c'est terminé pour toi. Adios, amigos. Oh, il était énorme. Il était énorme. Il est bien stylé, hein. J'ai bien kiffé. La terreur du lac. Ok, on va attendre que l'ombre s'empare de moi. Ah! Non, elle m'a loupé. Ah! Hop, on se cache. Zunzino.
n'êtes plus seul, d'accord, d'accord, très très bien, bon, très sympa ce colosse, assez long, forcément je vais raccourcir la vidéo, désolé si vous avez pas vu les moments de galère ou autre, pas évident, il fallait réfléchir, fallait voir avec les cornes et les dents, mais c'était vraiment très sympa, n'oubliez pas de j'aime et de commenter, on se retrouve très bientôt, et surtout vendredi pour la pick up en live sur ma chaîne Twitch, à bientôt tout le monde, portez-vous bien, bisous bisous, ciao ciao.